Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh oui, nous sommes de nouveau en Espagne pour une petite semaine, puisque le but c'est d'aller visiter en famille Barcelone. Mais on s'est arrêté dans ce petit village médiéval de, alors, Besalú, je ne sais pas parler catalan. Allez, je vais vous faire découvrir ça, c'est parti. Franchement, il est sympa ce petit village. Mais bon, nous on l'avait déjà visité il y a 1 ou 2 ans. Mais on n'avait pas filmé parce qu'à l'époque on n'avait pas de vidéo, pas de chaîne YouTube, etc. Et là c'est un plaisir de vous le faire découvrir parce qu'on sait que c'est un joli village médiéval qui est vraiment pas très loin de la frontière française, facilement accessible. Moi, ça me plaît bien en tout cas. Bon, je suis tout seul aujourd'hui, la pole est restée au camion. Mais bon, on l'avait déjà visité, donc il n'y a pas de frustration. Mais c'est franchement, c'est trop sympa. Allez, on continue un peu cette petite balade. Thank you.
Alors, il y en a certains qui disent, il n'y a personne dans le village, mais ici, on est en Espagne, on est en Catalogne. Et il est 14h14, alors tout est fermé, hormis les magasins touristes. C'est l'heure de la sacrée sainte siesta. Donc voilà pourquoi il n'y a pas grand monde, hormis quelques touristes. Alors ce qui est agréable aussi dans ce village, c'est que il y a tout un petit circuit. Et alors, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si on le voit à la caméra, voilà, il y a plein de plaques comme ça, d'informations sur le bâtiment, le village, ce qui se passait autrefois, etc. C'est vraiment bien bien fait, donc c'est vraiment sympa pour la visite. Eh bien voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo de la découverte donc de Besalú. Je ne parle pas le catalan. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ces jolies images de ce joli village catalan qui, je rappelle, est facilement accessible. Et de surcroît ici, on peut dormir avec le camion, le camping-car, le van, ce que vous voulez dans un champ. Et c'est vraiment sympa. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.